Elle a eu un trou de mémoire. Elle a eu un trou de mémoire, elle a regardé l'autre bureau, mais pas celui-là. Je suppose que je dois aller là. Petit imbécile. T'es bête. Tu es cool. C'est ciao. Ok, ça part. Wouh. On est au max. Je laisse le son à fond, vous allez vous chier dessus avec moi. Je vais pas lésigner sur le son, vous allez vous chier dans le slip avec moi ce soir. Chaque fois, vous êtes là, baisse le son. Non. Ok. C'est mon mari? Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Tu me connais, Josh, je vis chaque jour à fond. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Ooh, you're such a risk taker, Mark. I like that in a man. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? C'est Joyka au téléphone, oui. C'est clairement Joyka. Il y a vraiment marqué Joyka sur le téléphone. Ah, une luxueuse piscine. Oh bah, on veut voir ça. Oui, bien sûr. Tu veux juste voir la piscine, c'est ça, hein? Et me voir en maillot de bain n'a absolument rien à voir avec cela. Oui, exactement. Mais la piscine, je veux voir. Je m'en bats les couilles de toi. T'aurais dû y aller avec moi. Je sais que t'aimes pas rencontrer de nouvelles personnes, mais je m'inquiète pour toi, Squeezie. Je suis à peu près la seule personne à qui tu parles. C'est la fête de Noël et personne ne t'a encore félicité. Bien pas exactement, aujourd'hui j'ai reçu une lettre. Ok, on va prendre la première option. Quelqu'un t'a personnellement écrit une lettre? Mais what the fuck? Ouvre-la et dis-moi ce qu'il y a dedans. Elle est près de l'entrée, pas vrai? Ok, vas-y, alors il a reçu une lettre de qui en fait? L'enveloppe elle doit être là, non? C'est passé pas par là? Ah c'est ça, c'est ça. Mon chéri, tu me manques tellement. C'est dommage que tout se soit si mal terminé. Ah, c'est genre mon ex-femme. Je suis prêt à nous donner une autre chance. J'ai peut-être fait des choses stupides auparavant, mais je les referai pas, c'est une promesse. Rencontrons-nous et discutons de tout ça, d'accord? Ah ouais, d'accord. Allez, dis-moi de qui ça vient. Et écrit quoi? Oh, la situation cringe, là. Ouf. C'est juste les papiers du bureau. Ah ouais, dans les deux cas, il ment. C'est une carte postale de mes parents. Oh, c'est trop gentil. Je pensais que t'avais arrêté de parler avec eux. Au fait, en parlant de communication, s'il te plaît, va à la fenêtre de ta chambre. Je vous rappelle qu'on est avec Joyka au téléphone là, apparemment on est en couple avec Joyka. Fenêtre de la chambre. Oh, oh. Eh bien, que vois-tu? Ah, ils habitent l'un en face de l'autre. Tu es arrivé, pourquoi t'as pas appelé? J'aurais pu venir te chercher à l'aéroport. C'est pas évident. Je voulais faire une surprise à mon petit Lulu pour Noël. Heureusement, l'avion a dévié avant que la tempête ne commence. Maintenant, passons à la deuxième partie de ma surprise. Mais d'abord, montre-moi ton humeur festive. Comment? Laisse-moi réfléchir. Je me rappelle que t'avais des cierges magiques dans ton placard. Allume-les devant ta fenêtre. Ok. Je vois qu'elle est un peu funny, cette copine. Bon, où est là les cierges là, frérot? Allô? Ah. Cette torche fontaine est plus puissante qu'un cierge magique ordinaire. Je peux également la tenir dans mes mains. Je pense que ça fera l'affaire. Si tu trouves des cierges magiques, allume-en un près de la fenêtre pour de la chambre pour que je m'égaille. Pour que je puisse te voir. Allez, je te l'allume. C'est pour toi. Le voilà! Maintenant, je peux sentir l'esprit de Noël. En fait, je t'ai apporté un cadeau. Tu m'as aussi acheté quelque chose? Évidemment que je t'ai acheté un cadeau. Oui, oui. Quoi? Tu veux même pas me dire quel genre de cadeau t'as préparé? Ok, maintenant, je suis intéressé. Prends-le et viens. Je t'attends. Il a vraiment acheté un cadeau. Oh, il a acheté une bague de fou. J'ai acheté cette bague de fiançailles il y a un mois, mais j'ai pas trouvé le moment idéal pour la demande en mariage. Est-ce qu'elle dira oui? C'est un peu triste, genre, c'est elle qui a prévu full surprise et lui, il arrive, il a rien prévu, il dit juste « Épouse-moi ». T'as quitté la maison? Il est facile de se perdre par ce temps. Suis la lumière, mon mignon. Je t'attends. Non, laisse pas ta porte ouverte. Il y a des gens fous, même s'il y a une tempête. Pas matin, c'est très drôle, toi. Chérie, où es-tu, ma poulette? tu ouvres? Joyka? J'ai trouvé l'objet gâteau, c'est la chaise. Attends, je la croque. Joyka. Très bien, je vois que monsieur boude. Peut-être que la vidéo n'a pas aussi marché qu'il l'espérait. Pourtant, c'est un carton. C'est un carton, Joyka. Ils sont sensibles, ces youtubeurs. Oh, il a tout verrouillé. Comme s'il voulait me dire d'aller me faire foutre. Une clope? Ah, Joyka. Allô? Où es-tu? Tu t'es enfoncé dans la neige? Allez, dépêche-toi, je suis fatigué d'attendre. Je suis déjà à l'intérieur de ta maison et je te vois nulle part. Ça signifie quoi, à l'intérieur de ta maison? Je suis à la porte et je t'ai pas vu entrer. Eh, hey, Père Noël, on dirait que tu t'es introduit dans la mauvaise maison.
Pratique, c'est Serge, hein, frérot. Hein. Ah ! Con ! M'a roté dessus, ce con. Dégueulasse. Joker ? Si c'est un thread horror IRL, c'est pas marrant, hein. J'ai déjà fait. C'est pas marrant du tout, ta prank, là. Oh, je crois que j'ai déjà vu cette carte postale, c'est bizarre. Merry Christmas. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas revenir de mon voyage avant Noël. Fichu travail. S'il te plaît, célèbre les fêtes sans moi. Hein ? Mais je viens d'avoir au téléphone. Qui sont ces vieux schnocks ? Quelle violence. Ça me fait rire. Je ne me souviens pas que Joyce avait ses photos. Je pensais que ses parents avaient l'air différents. Mais quoi ? Honey, are you there ? Qui es-tu ? Tu n'es pas Joyka. I see you. De mémoire. Elle a eu un trou de mémoire, elle a regardé l'autre bureau, mais pas celui-là. Je suppose que je dois aller là. Elle nous a vraiment regardé dans les yeux. Voilà, dès qu'elle se retourne, on y va. Dès qu'elle se retourne, on y va. Elle s'est retournée, on y va. C'est parti. Bye bye. Oh, waouh. Docteur Strange ? Docteur Strange, c'est toi. T'es... Oh putain, c'est Joker. Squeeze, arrête de me faire peur. Je sais que t'es là. J'ai trouvé le sapin de Noël que t'as renversé. Et pourquoi t'as enlevé les décorations ? Sais-tu seulement combien de temps il m'a fallu pour les décorer ? Écoute, j'ai une très mauvaise nouvelle, Jordan. Ce n'est pas moi. Et moi, je suis allé chez toi et je vis la même chose ici. Que veux-tu dire par « ce n'était pas toi » ? Alors, qui se promène dans ma maison ? Squeeze, sérieusement, me fais pas peur comme ça. Je crois que je suis en plein trip. Là, peut-être quelqu'un a mis un truc dans mon thé de Noël, je sais pas. Le couloir s'agrandit, là. Squeeze, t'as bu ? Si c'est une farce stupide, je... Attends. J'ai entendu quelque chose. Squeeze ? Joker ? C'est toi ? Joker ! Oh ! J'ai eu du ping sur ma réaction. Ah, je dois trouver 3 objets qui vont là-dedans, j'ai compris. Ils sont dispersés dans la maison et je dois éviter le faux Joker. Hop là ! Il pourrait tenir dans l'une des encoches de cette étrange porte. Hop là, deux, une, directement, j'en trouve une. Bon, déjà, on va mettre elle. Voilà. Putain, mais je l'entends. Oh, oh. Sweetie, where are you? Sous le bureau à ta gauche. Elle a réagi super vite. Elle a commencé à se baisser. Let's celebrate together. Elle a commencé à se baisser, je te jure. Je te jure qu'elle s'est baissée. Elle a fait ça. Elle est comme ça, elle a fait. On l'a fait. On est des putains de boss, les frérots. On l'a fait. Honey, j'ai chié dans mon slip. Don't make me hurt you. Oh, j'ai chié dans mon slip. Oh, waouh. Là, c'était chaud. Il y a une boule ? Hop, le script vient de changer. Voilà, elle vient. We can decorate the tree. Et elle se casse. J'aime pas Noël. Tu devrais le savoir, Joyka. J'aime pas Noël. Ah, c'est la porte tout là-bas, là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il y a une chaîne qui est genre, je crois, il y a une porte ici avec une chaîne. Voilà. Oui. Allez, hop. Je gride, hein. Je vous le dis direct, je gride. Je m'en fous, j'ai les boules. Ciao. Ça part. Faudrait qu'on ait des news de Joyka, en fait, de son côté. Est-ce qu'il a trouvé les boules ou pas? Waouh.
boîte de décoration Noël. Ces jouets viennent du sapin de Noël de la maison de Joyka. Ce fou a parlé de décorer un arbre. Si je fais ça, il sera peut-être distrait et je pourrais me faufiler plus loin. Donc là, je dois aller décorer le sapin dans le salon, là. Ça devient Noël Simulator, le truc, là. Allez, on va décorer ce sapin. Quelque chose que je n'aime pas du tout faire dans la vraie vie, sachez-le. J'aime ni les sapins, ni la déco des sapins. Suis-je aigri ? Oh, Joyka ! Allô ? C'est une farce stupide, Squeezie. Des couloirs qui bougent. Quelle absurdité ! J'ai vu ton amie à la fenêtre. Elle se déplace juste très vite et c'est tout. Y'a rien de spécial. Joyka, écoute-moi, ce n'est pas mon ami, cache-toi quelque part, appelle la police. Supposons que je te crois. D'abord, dis-moi où es-tu en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je crois que je viens de trouver tes décorations de Noël. Elle a dû les apporter ici. Bien sûr, t'as trouvé accidentellement mes affaires dans la maison d'un autre. Squeezie, tu me prends pour un idiot? J'ai entendu quelqu'un. En fait, faut qu'elle se cache. Moi, quand je me cache, elle me trouve pas. Donc le meilleur truc à faire, c'est qu'elle se cache en vrai de vrai. C'est la merde. Moi, quand j'étais petit, moi, je faisais juste les animaux au judo. Je sais pas quel animal c'est, mais... Ah ! Ah ! Honey, it's beautiful. Don't go anywhere. I will be right back. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Elle rentre dans le sapin ? Non, elle se rend pour Père Noël ? Elle passe par la cheminée ? Elle se rend pour Père Noël, c'est fou ! Oui, Joyka, allez, allô ? Squeeze ! Elle est ici ! Hop. Non ! Mais ne me touche pas ! Ça casse ! Je suis célib. Allez, j'installe les applications de rencontre. Ouais, c'est définitivement pas une blague. Elle est pas email. Je vais bien. Je me cachais comme tu l'as dit. J'ai eu le temps de me préparer avant qu'elle me trouve. J'ai lancé les feux d'artifice sur elle. On dirait que ça l'a fait fuir. Je pense qu'elle aime pas les lumières vives. Essaye de trouver quelque chose de similaire. J'espère que ça la t'aidera. J'ai compris, je dois trouver quelque chose qui brille fortement. Joyce, fais attention, tu dois te concentrer sur ta survie. Ouais, voilà. Nous allons nous en sortir. Nous devons nous en sortir. Ouais, t'inquiète, Joyce. Squeeze, elle peut revenir à n'importe quel moment. Que dois-je faire? En même temps, elle vient de se cacher, elle s'est fait choper. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'elle trouve une lampe de poche et d'autres feux d'artifice, tu vois, en vrai. Je vais essayer. Mon Dieu, j'espère que ça fonctionnera. Je vais essayer d'appeler la police, mais je pense pas qu'ils arriveront ici assez vite avec ce temps. Une dernière chose. S'il te plaît. Sois prudent. Allez mon Joker, on va s'en sortir frérot. On refera avec de l'été, je te le promets. Et moi cette merde là. Oh putain, ça va être une autre guirlande. Eh putain, ah, des feux d'artifice. On va tout lui faire péter à la gueule. Une boîte entière de feux d'artifice. Si elle a vraiment peur de la lumière vive, ils seront sans aucun doute utiles. Peut-être que je peux lui tendre un piège. J'ai juste besoin de trouver quelque chose qui puisse la distraire. Où a-t-elle caché ma bague? Joker qui m'appelle, plus flic. Tu entends ça? On dirait que la police est là. Je vois de la lumière dans une maison voisine. Est-ce que c'est toi? Tu es au deuxième étage? Oui. Je pense pas qu'il t'ait remarqué. Tu dois trouver une autre fenêtre plus visible pour que la police puisse te voir. C'est bon, je crois qu'ils l'ont arrêté. À l'américaine, mais je crois qu'ils l'ont arrêté. Ah, c'est Joker. Allô? Mon Dieu, tu as vu ça? Ils sont tous morts. Nous ne sortirons jamais. Elle va venir pour nous deux. Joyce, nous allons nous en sortir. Nous pouvons le faire. Allez. Tu as raison. Nous ne pouvons pas abandonner. J'ai vu qu'elle a projeté l'un des policiers à travers la fenêtre de ton bâtiment. Essaye de le trouver. Il a peut-être une arme sur lui. J'en ai marre. Il était trop gratos celui-là. Oh putain. Oh mon Dieu. Ce sont mes vieilles cartes postales. J'ai commencé à les envoyer à mon ex-petite amie quand je pouvais plus. Ah, j'ai des frissons. Ah putain, de cringe. C'était donc elle. Ah. Donc le fantôme, c'est sa petite amie là. Tu lui as envoyé une carte postale cringeos tout à l'heure. Elle m'a suivi tout ce temps. J'ai nulle part où me cacher. Elle me laissera pas partir. Elle est partie. Elle nous dérangera pas. Marc a acheté une bague. Elle est pour moi. Est-ce qu'il faut que je revienne? Marc ne parle plus à ses parents. C'est bien. Avec qui parle-t-il? Ses amis sont mauvais pour lui. Je dois me débarrasser d'eux. Marc, fête Noël seul. C'est le moment. Oh, Joyka, allô? Squeeze. Comment vas-tu? Bah j'ai failli crever à cause d'un screamer là, mais ça va. J'ai un télescope. Un télescope? Que veux-tu dire? Elle m'observe depuis tout ce temps. C'est ce que je pensais. Tout ce temps, elle s'intéressait à toi. Pas à moi. Tu es connecté à elle d'une certaine manière. Squeeze, dis-moi, tu connais cette femme? On va être franc, oui, c'est mon ex. Vous sortiez ensemble? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'avais peur de ta réaction, Jordan. J'avais peur. Comment était-elle avant?
Bon, on allait au ciné, à UGC, passer un plutôt bon moment, acheter popcorn sucré, elle salée. Alors ce monstre veut te récupérer. Squeezie, merci de me l'avoir dit. Bah, on est ensemble. Ah, j'ai pas aimé celui-là, on aurait dit un titan dans l'attaque des titans. Ah, je me suis vu me faire croquer. J'ai pas du tout aimé celui-là. Ah, le flic, j'ai le gun, je vais pouvoir tirer dans le cadenas. Yeah! Joker! Allô? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé l'arme sur le flic. Si tu décides de tirer, cela fera beaucoup de bruit. Sois prêt à ce qu'elle t'entende et vienne te chercher. Tu peux me dire ce qu'il y avait dans le cadeau? Je sais que c'est idiot, mais j'ai besoin d'être certain que c'est ce que je pense. Au cas où nous y survivons pas. Joker, je voulais t'épouser. Oh, Squeeze! Merci. Comme nous reverrons après tout ça, je te donnerai ma réponse. Alors, ne pense même pas à abandonner. T'inquiète pas. Bon, il est temps de tirer. Ah, on a utilisé un cerf pour rien. Les gars, it's time to run. Yeah. Hein? Mais là, c'est plus un des soucis mentaux, là, c'est... Frérot, elle a développé de la télékinésie. Elle est extraordinaire. Ouais. Aïe, 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 aïe. Elle va être là. Ah, c'est bon. C'est la bague. Elle est obsédée par cette bague. Si je la mets sous le sapin, ça va certainement attirer son attention. Je ne veux plus l'éviter. Nous devons mettre un terme à tout ça. Elle était obsédée par la poursuite et j'étais obsédé par la fuite. À présent, c'est terminé pour nous deux. Mais... Attends, là, je vais mettre le... Mais là, je vais mettre la bague, mais avant, faut que je foute l'effet d'artifice, frérot. Faut d'abord mettre le cadeau? Bon, vas-y. En fait, je me suis tapé une parano pour rien, les gars. You chose me. Oui, c'est ça. Ah, le cadeau, il est piégé. Ok, ils sont dedans. Honey, I'm waiting for you. Where are you, dear? Rester avec elle? Mais pourquoi faire? Allez, on lance l'effet d'artifice. J'ai compris. J'ai un de QI. Bah. Allez, viens là. Viens pas. On est trop fort. Elle est morte. C'est bon? En fait, ce n'était pas une maladie mentale du tout qu'elle avait. Elle était simplement possédée. Cadeau pour Joyce. Oh putain, on va la retrouver et on va la marier? Squeezie, les portes sont ouvertes. Tu as réussi, mon dieu, Squeeze. Je t'aime tellement. Viens chez moi, tu ne te perdras pas cette fois, je te le garantis. Oula. Oula. Squeezie. À propos de cette bague, ma réponse est oui. Ouais! Il a dit oui! Eh ben putain, j'ai bien kiffé le jeu, hein! On n'a pas passé un bon moment, franchement, c'était merveilleux!